Salut, salut, bienvenue sur la page Info et Astuces d'Abidjan. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau PC. Alors, il s'agit du PC portable nouveau IdeaPad 337 AST. Voilà, c'est le tout nouveau, le nouveau. Voilà, donc on va faire l'unboxing ensemble pour vous présenter un peu ce magnifique PC. Voilà, qui est tellement robuste. On va faire l'unboxing ensemble et découvrir ensemble ce nouveau PC de le nouveau. Quand vous allez l'acheter, d'abord sur le côté, on a le chargeur. Comme vous pouvez le voir, le chargeur le nouveau. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et dans le carton en question, voilà, on a le protège. On a le PC lui-même en question, 17 pouces, il est vraiment énorme, comme on le voit. On va revenir sur lui dans un instant, on va présenter un peu ce qu'il y a dans le carton. Il y a les différents papiers, voilà, je pense que c'est tout qu'il y a dans le carton. Voilà, on va mettre le carton juste à côté pour présenter l'ordinateur lui-même. Voilà. On va l'enlever. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est tout nouveau, le nouveau. Voilà, il y a les ports USB. Voilà, il y a les ports USB. Il y a un port de 4 mémoires et un port HDMI. Sur le côté droit, on n'a pas de port USB, on a un lecteur DVD. Voilà. Il faut rappeler que le nouveau là, un processeur AMD. Voilà, AMD A9-9425. Voilà, une RAM de 4 Go. Une RAM de 4 Go, comme vous pouvez le voir. Une RAM de 4 Go. Et un Tera de 10 Go. Voilà. Donc, ce sera vraiment efficace. Pour ceux qui veulent stocker assez de photos, assez de musique, assez de films, voilà, 1 Tera de 10 Go, je pense qu'il est vraiment formidable. Et quelque chose de plus génial encore dans cet ordinateur, il peut vous fournir 6 heures d'autonomie, voilà, sur la batterie, 6 heures d'autonomie sur la batterie. Et il y a aussi le flash charge, rapide charge, qui va vous permettre de le charger assez rapidement. Il a une résolution de 1600 x 900, comme vous voyez l'écran, il est assez grand, voilà, et il a 2 cœurs, comme vous pouvez le voir, un écran de 17 pouces. Voilà. On va l'allumer ensemble pour découvrir un peu comment cela se présente. Voilà, pour l'allumer, on va l'allumer ensemble. Voilà, l'écran d'affichage de nouveau s'affiche. Là, il va charger. Je pense que tout se lève. Arrête, c'est pas ta faute. Même si elle ne le dit pas, je sais qu'elle voilà. Le premier chargement. Voilà, il y a un Windows 10 qui est d'origine. Voilà, il vient déjà avec un Windows 10 qui est déjà installé. Voilà, comme vous le voyez. Un peu de chargement. On voit déjà sur l'ordinateur un high speed wifi, un Dolby Audio, ce qui va vous permettre d'écouter déjà une bonne musique. Voilà. Et déjà lorsqu'on allume l'ordinateur, on remarque qu'il y a des applications qui sont déjà installées. Voilà, parce que le nouveau déjà installe déjà certaines applications déjà dans l'ordinateur. Voilà, il s'agit de les Word 2013 est déjà installé. Word 2013, Excel, voilà, tout le processus Microsoft, il est déjà installé. Il y a Firefox aussi. Voilà, on va rentrer dans le système pour voir un peu le système de cet ordinateur. Voilà, il est doté d'un Windows 10 professionnel.
d'un Windows 10 professionnel de la version 15003, voilà. 4 gigas de RAM comme je l'ai dit tantôt, un système d'exploitation de 64 bits. Voilà. Je peux vous dire que il est vraiment très bon cet ordinateur. Mais on rentre un peu dans les paramètres. Il va vous permettre pour les gamers, je pense que c'est un très bon ordinateur car il est doté de 4 gigas de RAM. Et le processeur qui est à l'intérieur, c'est un AMD A9 9495, pour ceux qui s'y connaissent déjà. Ils peuvent déjà faire des recherches pour voir que cet ordinateur offre vraiment une performance assez bien pour jouer des jeux de haut niveau du moment. Voilà. Il y a un lecteur DVD, comme on a pu le voir sur le côté, un lecteur DVD. Voilà. Le lecteur DVD, il est là pour regarder vos DVD. Voilà. Il est vraiment très bon. Un design très magnifique. Voilà. Un design très magnifique. Je peux vous dire que cet ordinateur, il est vraiment bien. Voilà. Pour ceux déjà qui l'ont déjà, je peux vous dire qu'il est vraiment bluffant. Voilà. C'était pour vous présenter un peu ce magnifique ordinateur. Je crois qu'on a fait déjà le tour déjà. Alors, pour petit rappel, il est doté de 4 Go de RAM, 1 Tera de 10 durs. Voilà, 6 heures d'autonomie sur la batterie. 6 heures d'autonomie avec une charge rapide. Doté d'un lecteur DVD, un port HDMI et il a un écran de résolution 1600x900. Voilà, il est doté aussi de deux cœurs pour les jeux, voilà, pour vos applications, voilà, pour la rapidité de vos applications avec un écran de 17 pouces. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de partager afin de faire découvrir ce magnifique Lenovo, voilà, à tous vos proches. Voilà. Comme vous le voyez, la marque, c'est un Lenovo IdeaPad 330. Voilà. Screen design, high speed wifi, Dolby Audio. Voilà, comme il est tout nouveau, il n'y a rien encore dans l'ordinateur, sinon, je ne sais pas si dans la vidéo, voilà, il est vide. Voilà, il y a un driver pack solution même qui est là pour faire la mise à jour de vos drivers. Voilà. Je peux vous dire qu'il est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment bluffant. Voilà, je vous exhorte vraiment à l'acheter si vous voulez avoir un bon ordinateur, n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite vidéo rapide. Voilà, je vais vous présenter un peu l'application tout un tout. Voilà, un magnifique design. Très beau cet ordinateur. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.